Salut à tous, c'est Eric de Gauthier Galago Music. Aujourd'hui pour vous, suite et fin du morceau The Man Who Sold the World version Nirvana. Et je vous apporte tout de suite un petit complément informatif par rapport à la vidéo de la dernière fois dans laquelle j'avais omis de signaler que Kurt Cobain joue la plupart du temps avec une guitare accordée un demi-ton en dessous. Mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol, si bémol, mi bémol. Ce que je n'ai pas fait, hein, j'ai préféré conserver l'accordage standard. J'avais oublié de vous parler de ce truc-là la dernière fois et je m'en voulais. Maintenant, c'est fait. Je vais donc vous montrer comment on fait le solo, qui n'est pas très compliqué du tout. C'est même un solo parfait pour les débutants. Et juste avant de démarrer, je voulais faire un petit point sur les cadeaux que j'ai reçus. Vous savez, dans les quelques dernières vidéos, j'avais dit « Ouais, mon mur est blanc et tout ça, si vous voulez, envoyez-moi des trucs !» Et j'en ai reçu. Je suis même tellement content que je vous les montre en gros plan. Alors ça dure pas longtemps, mais ça me fait vraiment plaisir. Donc l'aquarelle des Beatles, là c'est Laurence qui me l'a offert, ça m'a fait trop plaisir. J'adore les Beatles. Juste en dessous, j'ai reçu une carte postale de Bob Marley envoyée par Cédric. Ça me fait plaisir d'avoir le roi Bob sur le mur. Et ici, c'est un super dessin original de ouf, crayonné uniquement au stylo Bic. Oh, je le kiffe, il y a toute une poésie dans ce dessin, j'adore. Donc merci beaucoup à Gérard qui en est l'auteur, ainsi qu'à Sabine, sa compagne, qui lui a parlé de mes idées déco. Et pour terminer, pour l'instant, le plus récent, un autre dessin incroyable et original envoyé par Zénon de Suisse. Alors, si vous aimez Gottlieb comme moi, vous reconnaîtrez certainement un petit peu le trait. J'adore le personnage, c'est trop kiffant. Donc merci à vous tous pour votre implication, d'avoir pris le temps de m'envoyer tout ça. Et comme il reste encore de la place sur le mur, si vous aussi vous voulez m'envoyer quelque chose, rendez-vous dans la boîte de description YouTube pour trouver l'adresse postale où l'envoyer. Bon, j'ai beaucoup parlé, j'avais dit que je parlerais moins, mais j'y arrive pas. Bon ben, j'espère que ça vous saoule pas trop. Allez, je me rapproche, je vous montre. Alors avant de jouer le solo, je vous montre la partie d'accompagnement. Alors la guitare rythmique aura uniquement besoin de 3 accords. Le Fa, le La, le Ré mineur. Fin. On va reproduire la même rythmique que celle que je vous ai expliquée dans le tuto numéro 1. Alors je vous remontre juste la séquence. Je me place sur un Fa à la main gauche. Et on doit faire un truc comme ça. Attention, hop, je me décale. Détail, bas, haut, chaque, haut, je passe devant sans gratter, haut, bas, et sur le dernier retour, j'enlève les doigts et je gratte juste les quelques cordes aiguës, ce qui ponctue la fin de mesure, et je recommence mon coup vers le bas pour aborder la mesure qui suit. Bas, haut, chaque, haut, haut, bas, haut, bas, haut, chaque, haut. Voilà, pour plus de détails, un rendez-vous dans le tuto précédent. Alors voici la grille complète, je vous le joue en entier. 3, 4, Fa. Deuxième mesure. Ré mineur. Ouais. Deuxième ligne. Troisième ligne. Dernière mesure, on ralentit un petit peu. Terminé. Alors maintenant, attaquons la partie lead de Kurt Cobain. Sur les 4 premières mesures, on va retrouver le riff qu'on avait au tout début du morceau, à savoir. Deuxième mesure. Troisième mesure. À la 4e mesure, ça va changer un tout petit peu, on va faire. D'accord. Juste ça. Et j'ai changé de doigt en cours de route, donc. 4e mesure. Encore. Je termine avec le majeur parce qu'après, à la 5e mesure, et c'est là justement que c'est un tout petit chouï délicat, alors je reprends la 4e mesure et j'enchaîne sur la suite. 3, 4. Voilà. Alors je sais pas si on a beaucoup de sons, et là j'ai pas de saturation, je suis complètement acoustique. Mais l'idée c'est que vous allez partir de la 2e case de la corde de sol. Donc cette note là c'est le 4e temps de la 4e mesure, donc 4. Et ensuite vous allez slider jusqu'à la 8e case de la corde de sol. D'accord. Et là, ici, ça sonne vraiment FO. Parce que c'est un triton entre cette note là et ici. Vous savez, Diabolus et Musica. Bon bah bref. Une fois qu'il a fait ça, vous allez slider à 9, puis à 10. Donc, 2, 3, 4, 1 et 2,
Voilà, c'est ça la petite rusounette. Et en fait, il tourne autour de la note cible, qui est celle-ci en fait. 2, 3, 4, 1, et 2, 3, et 4. Là, vous avez la cinquième mesure. Encore une fois, cet enchaînement, et je vous fais la suite. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, 3, et 4. Ensuite, 1, 2, et 3, et 4. C'est pas très difficile, vous restez en 9. Faut juste bien compter rythmiquement. 1, 2, et 3, et 4. Et mettre un gros vibrato de la mort sur toutes les notes quasiment qui vont être jouées dans la suite du solo aussi. Je vous refais les mesures de 1 à 6, on a fait le plus difficile. Alors avec un petit coup de métronome 80 à la noire, beaucoup plus facile pour vous faire défiler la partoche en dessous. 1, 2, 3, 4. Là, je vous ai joué jusqu'à la 12e mesure. Je vous reprends depuis la mesure 7, pareil à ce tempo-là. Donc la mesure 7, c'est quand on reprend le riff. 3, 4. Trop bien. Je vous joue directement les 8 mesures qui suivent. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et 10 à nouveau. Je me suis pile poil arrêté à la dernière croche de la mesure 20. Il nous manque 5 mesures et c'est terminé. Donc je pense qu'on va le boucler en une seule fois. Je vous rejoue tout depuis le début, encore un tout petit peu moins vite, et je termine le solo. Tempo à présent à 70 à la noire. 3, 4. Satisfait de mon travail, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, ou à m'envoyer des petits cadeaux que j'accrocherai avec plaisir derrière moi. Ben, ça crée une ambiance, mine de rien, et quand j'arrive dans cette pièce, c'est vrai que voilà, je passe du temps à regarder les dessins, ça me fait plaisir, ça m'accompagne, c'est bienveillant, quoi. Allez, plein de bonnes choses à vous, et à très bientôt, dans un prochain tuto. Ciao !